Hello, children. Hope that you're safe and fine. Today also, we will continue with the second term syllabus, which means that we will be working in the part two of the books. The books can be found on the website of MIE. Alors, on va commencer avec les mathématiques. Donc, on va toujours continuer avec le topic de angles. Donc, on travaille toujours dans le part 2 des livres. Alors, aujourd'hui, on va faire comparing angles. On va comparer les angles. Observe angle A and angle B below. Now, can you tell me, are angle A and angle B of the same size? Les angles A et B sont-ils de même taille? Non. Now, angle A is smaller than angle B. Or angle B is greater than angle A. Comme on peut le voir, angle A est plus petit que angle B. Et angle B est plus grand que angle A. Allons maintenant prendre un autre exemple. Are angle C and angle D of the same size? No. Angle D is smaller than angle C. Or angle C is greater than angle D. Angle D est plus petit que angle C et angle C est plus grand que angle D. On peut voir sur l'image ici que angle C est plus grand que angle D. Allons maintenant faire exercice 2 à la page 16. Compare each pair of angles below and fill in the boxes with the appropriate letter. Alors, vous allez comparer les deux angles. Ensuite, vous allez écrire quel angle est plus petit que quel angle. Vous allez dessiner les angles dans vos cahiers. Ensuite, vous allez répondre aux questions. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir la réponse ensemble. Alors, quel angle est plus petit, angle A ou angle B? Angle B est plus petit que angle A. So, the answer will be angle B is smaller than angle A. Allons maintenant faire exercice B. Vous avez à faire la même chose. Ici, il faut d'abord dire quel angle est plus grand et quel angle est plus petit. Vous allez dessiner les angles dans vos cahiers. Ensuite, vous allez répondre aux questions.
Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Alors, quel angle est plus grand selon vous? Angle Q ou angle P? Angle Q is greater than angle P. So the answer will be angle Q is greater than angle P. Greater than veut dire plus grand. Smaller than, plus petit. Allons maintenant faire exercice C. Alors, toujours la même chose. Ici, il faut dire quel angle is greater than. Greater than veut dire quel angle est plus grand que l'autre. Alors, pareil comme vous avez fait pour les deux autres, vous allez aussi dessiner les angles dans vos cahiers. Ensuite, vous allez répondre aux questions. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, quel angle est plus grand? Angle X ou angle Y? Angle Y is greater than angle X. So, the answer is angle Y is greater than angle X. Let us now do number D. Now, here you need to state which angle is smaller. Okay? So you will draw the angles in your copybook and then you will answer the question. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, allons maintenant voir les réponses ensemble. Alors, quel angle, selon vous, est plus petit? Angle M ou angle N? Angle N is smaller than angle M. So, the answer will be angle N is smaller than angle M. Alors, c'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. English now. Let us now start by doing some exercises. Let us first do activity 3 on page 27. So, write the correct hobby under each picture. Diving, surfing, hiking, fishing, stamp collecting, gardening, knitting, chess. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Vous avez des images. Alors, il faut écrire les mots
faut choisir les mots selon l'image. Like for the first one. What is the man doing? The man is fishing. So we will write the word fishing below the image. Alors, vous allez faire pareil pour les autres images. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, for the first one, it's fishing. Second one, it's knitting. Qu'est-ce que la dame fait? Elle est en train de tricoter. Donc, for the third one, it's swimming. Fourth one, stamp collection. Fifth one, chess. Number 7, surfing. Number 8, karting. And finally, the last one is hiking. You will do page 27, activity 4 as homework. Write the words in their corresponding columns. Okay? So these are the sounds that we have done. You need to classify the words in the correct column, okay? Now, so today we are going to do a comprehension and unforgettable event. Pixie and Dixie's eldest cousin Sasha came to take them with her to a music concert. The famous singer Selena Starr was going to do a performance in the village where Pixie and Dixie live. This is so exciting. Selena Starr is a superstar, Pixie shouted, laughing excitedly. Wow, will this be an open-air concert? I went to one last year in Mayburg Waterfront, Dixie said.
No, Dixie. This will take place in B&B Auditorium. Let's go early so that we can find our seats quickly, Sasha said. When they reached the auditorium, Pixie, Dixie and Sasha had to queue outside because there were so many people waiting to see the show. I hope we are not going to miss anything, Sasha said. She gave the concert tickets to one of the ushers at the door and they were let inside. The whole audience was really happy because the show started right on time. When Selena Starr walked on stage, everyone started cheering and gave an enormous round of applause. She took her microphone and welcomed all her fans. The band behind her played many different instruments. One musician played the drums, one played the keyboard, and three musicians played guitars. At the end of the show, Selena Starr sang her most popular song. Pixie, Dixie and Sasha had a great time and didn't want it to end. Everyone in the audience stood up and applauded for a long time when the show was over. Many people whistled too. Thank you for bringing us with you, Pixie and Dixie shouted as they hugged and kissed Sasha. You're welcome. Now let's go home and tell all the family about the fun we had here, Sasha said, smiling at her little cousins. An unforgettable event. Ça veut dire quoi? Un événement inoubliable. Ok? Alors, Pixie and Dixie's eldest cousin Sasha. Eldest veut dire? La cousine aînée. Ok? Sasha came to take them with her to a music concert. Donc, Sasha, qui est la cousine aînée de Pixie et Dixie, est venue leur prendre pour aller à un concert. The famous singer Selena Starr was going to do a performance in the village where Pixie and Dixie live. Donc, la chanteuse très populaire Selena Starr aller donner une performance dans le village où Pixie et Dixie habitent. This is so exciting. Selena Starr is a superstar. Donc, Selena Starr est un superstar. Pixie shouted, laughing excitedly. Wow! Will this be an open-air concert? I went to one last year in Mayburg. Waterfront, Dixie said. Alors, Dixie a demandé si le concert serait open air. Open air veut dire un concert en plein air. No, Dixie, this will take place in B&B Auditorium. Let's go early so that we can find our seats quickly, Sasha said. Alors, Sasha a dit que non, le concert va être dans le B&B Auditorium. Elle a aussi dit qu'il faut aller tôt pour avoir de la place. When they reached the auditorium, Pixie, Dixie and Sasha had to queue outside because there were so many people waiting to see the show. Queue? Veut dire? Alors, quand ils sont arrivés à l'auditorium, Pixie, Dixie et Sasha ont dû faire la queue. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train d'attendre pour voir le show.
I hope we are not going to miss anything, Sasha said. She gave the concert tickets to one of the ushers at the door. Ushers veut dire... Usher, c'est la personne qui montre aux gens leur place dans l'auditorium, ok? And they were let inside. Donc, Sasha a montré les tickets du concert à un des personnes, des ushers à la porte. Ensuite, ils étaient laissés à l'intérieur, veut dire ils ont eu la permission d'entrer dans l'auditorium. Alors, the whole audience was really happy because the show started right on time. Audience means le public, ok? Alors, le public était vraiment très content parce que le show avait commencé à temps. Alors, when Selena Starr walked on stage, everyone started cheering and gave an enormous round of applause. Quand Selena Starr est entrée sur le podium, tout le monde était en train de crier et aussi tout le monde a applaudi. Alors, gave an enormous round of applause, ça veut dire que tout le monde a applaudi très fort. She took her microphone and welcomed all her fans. Alors, Selena Starr a pris un microphone, veut dire le micro, et a accueilli tous ses fans. Fan veut dire les gens qui l'admirent, ok? Qui l'aiment. The band behind her played many different instruments. Band veut dire a small group of musicians. Un petit groupe de musiciens. Alors, instruments, les instruments. One musician played the drums, one played the keyboard, and three musicians played guitars. At the end of the show, Selena Starr sang her most popular song. Popular veut dire famous. Alors, à la fin du concert, Selena Starr a chanté sa chanson le plus populaire. Pixie Dixie and Sasha had a great time. Great time veut dire ils se sont amusés and didn't want it to end. Alors, Pixie, Dixie et Sasha se sont tellement amusés qu'ils ne voulaient même pas que le concert se termine. Alors, everyone in the audience stood up and applauded for a long time when the show was over. Alors, le public, tous les gens qui avaient dans l'auditorium, se sont mis debout et ont applaudi pendant très longtemps quand le show était terminé. Many people whistled too. Beaucoup de gens ont sifflé aussi. Thank you for bringing us with you, Pixie and Dixie shouted as they hugged and kissed Sasha. Alors, Pixie and Dixie ont remercié Sasha pour les avoir emmenés avec elle. You're welcome. Now let's go home and tell all the family about the fun we had here, Sasha said, smiling at her little cousins. Allons maintenant lire la compréhension ensemble. An unforgettable event. Pixie and Dixie's eldest cousin, Sasha, came to take them with her to a music concert. The famous singer Selena Starr
was going to do a performance in the village where Pixie and Dixie live. This is so exciting. Selena Starr is a superstar, Pixie shouted, laughing excitedly. Wow, will this be an open-air concert? I went to one last year in Mayburg Waterfront, Pixie said. No, Pixie. This will take place in B&B Auditorium. Let's go early so that we can find our seats quickly, Sasha said. When they reached the auditorium, Pixie, Dixie, and Sasha had to queue outside because there were so many people waiting to see the show. I hope we are not going to miss anything, Sasha said. She gave the concert tickets to one of the ushers at the door, and they were let inside. The whole audience was really happy because the show started right on time. When Selena Starr walked on stage, everyone started cheering and gave an enormous round of applause. She took her microphone and welcomed all her fans. The band behind her played many different instruments, one musician played the drums, one played the keyboard, and three musicians played guitars. At the end of the show, Selena Starr sang her most popular song,
Pixie, Dixie and Sasha had a great time and didn't want it to end. Everyone in the audience stood up and applauded for a long time when the show was over. Many people whistled too. Thank you for bringing us with you. Pixie and Dixie shouted as they hugged and kissed Sasha. You're welcomed. Now let's go home and tell all the family about the fun we had here, Sasha said, smiling at her cousins. Now let us see the meaning of some of the keywords. Concert. A live musical performance given in public. Alors, un concert, c'est une performance musicale en direct donnée en public. Famous, known by many people. Célèbre, famous veut dire célèbre, connu par plusieurs personnes. Performance, act of presenting a concert. Alors, une performance, acte de présentation d'un concert, veut dire quand quelqu'un, le star vient, le chanteur vient sur le podium et donne une performance. Superstar, a famous and successful performer. C'est quoi un superstar? Un artiste célèbre et qui est très connu. Auditorium, a large building or hall used for concerts. C'est quoi un auditorium? Un grand bâtiment ou salle utilisé pour faire des concerts, pour faire des grandes fêtes. Ushers, a person who shows people to their seats. En français, on appelle ça des huissier. Une personne qui montre les gens leur siège. Applause. Applause veut dire applaudissement. Clapping. Clapping c'est quoi? Applaudissement. Popular, famous. Alors, popular c'est populaire. Quelqu'un qui est très célèbre, très connu. Band, a small group of musicians. What is a band? Un petit groupe de musiciens qui accompagne le chanteur ou la chanteuse pendant les concerts. Alors, ce que vous allez faire, vous allez copier tous les keywords. Ensuite, vous allez aussi copier leur meaning. So you will have to copy all the keywords and their meaning at least 2 times in your copybooks. Now, let us do activity 3A on page 35. Allons maintenant répondre aux questions. Alors, who took Pixie and Dixie to the concert? Where did the concert take place?
What did the audience do when Selena Starr appeared on stage? What were the instruments that the band played? When did the audience stand up and applaud? Why do you think Pixie and Dixie hugged and kissed Sasha? Alors, whenever you have questions like this based on a comprehension, what is the first thing that you need to do? Obviously, you need to read the questions and then go back to the comprehension, read the comprehension and try to find the answers of the questions. Now, what you need to do is to look for words. You need to look for words that are similar in the questions and in the passage. Now, all the answers of the questions are found in the comprehension itself. Toutes les réponses sont dans la compréhension. Okay? Now, what you need to do here is to underline the keywords and you need to understand what is the question asking you. Vous devez comprendre qu'est-ce que la question vous demande. Ensuite, vous allez chercher les réponses. Vous allez d'abord copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez répondre aux questions. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, allons maintenant voir les réponses ensemble. Who took Pixie and Dixie to the concert? Sasha took Pixie and Dixie to the concert. Number 2. Where did the concert take place? The concert took place in B&B Auditorium. Now, whenever in the question you have words like did, or you see that the verb is in past tense, you need to answer the question in past tense. Okay? The
concert took place in B&B Auditorium. Now, number 3. What did the audience do when Selena Starr appeared on stage? The audience started cheering and gave a big round of applause when Selena Starr appeared on stage. Number 4. What were the instruments that the band played? The band played drums, keyboard and guitars. Number 5. When did the audience stand up and applaud? Now, here we have the what did. So we need to answer the question in past tense. The audience stood up. Stood up is the past tense of stand up. And applauded. Applauded is the past tense of the verb applaud when the show was over. Number 6. Why do you think Pixie and Dixie hugged and kissed Sasha? Pixie and Dixie hugged and kissed Sasha to thank her for bringing them to the concert. Now, all the answers to these questions were in the comprehension itself. You just need to look for them. Now, as homework, you will do page 35, activity 3B. Write the sentences in the correct order to sequence the story from beginning to end. Now, ce que vous devez faire, vous devez écrire les phrases dans le bon ordre. Ah, at the auditorium, the usher checked their tickets and let them enter. They went to the concert early to find their seats and not miss any of the performance. C. Pixie and Dixie went with their eldest cousin Sasha to a concert. D. Selena Starr performed many songs with her band of musicians. E. Pixie and Dixie were so happy that they hugged and kissed their cousin. F. The audience applauded and whistled for a long time when the concert ended. Alors, c'est tout pour l'anglais aujourd'hui. You need to do the homework in your copybook, okay? You need to copy the questions and the sentences as they are, and then you will put the sentences in the correct order, okay? Le français maintenant. Alors, aujourd'hui, on va faire les mots interrogatifs. Allons lire le texte qui se trouve sur votre écran. Rani et son frère Nathan vont au supermarché pour acheter des ingrédients. Nathan, que feras-tu avec tous ces ingrédients, Rani? Rani, je veux faire une génoise à la vanille pour l'anniversaire de maman. Nathan, quand feras-tu ton gâteau? Rani, je le ferai cet après-midi. Veux-tu m'aider? Nathan, oui, bien sûr, mais où le feras-tu? Rani, chez grand-mère. Nous l'offrirons à maman pendant la fête. Nathan, qui viendra à la fête, Rani? Tous nos oncles et nos tantes viendront. J'espère que maman sera contente. Alors, observez les mots en gras. Selon vous, à quoi servent les mots en gras? Que, quand, où et qui sont des mots interrogatifs. Ils sont utilisés pour poser des questions. Alors, les mots en gras, que, quand, où sont des mots interrogatifs, c'est-à-dire qu'on utilise ces mots-là pour poser des questions. Par exemple, qui viendra à la fête? Qui est le mot interrogatif? Une phrase avec un mot interrogatif est une phrase interrogative. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Donc, quand il y a un point d'interrogation à la fin d'une phrase, ça veut dire que cette phrase est une question. Alors, c'est une phrase interrogative.
Maintenant, on a d'autres mots interrogatifs comme pourquoi, est-ce que, comment, combien, quel et quel sont des mots interrogatifs. Ils sont utilisés pour poser des questions. Alors, les mots comme pourquoi, est-ce que, comment, combien, Q-U-E-L, quel, Q-U-E-L-S, quel, Q-U-E-L-L-E et Q-U-E-L-L-E-S sont des mots interrogatifs qu'on utilise pour poser des questions. Allons maintenant voir comment est-ce qu'on va utiliser ces mots dans des phrases. Qui est là? Comme vous pouvez le voir, qui ici est le mot interrogatif et la phrase est une question parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. À quoi faites-vous allusion? À quoi? C'est le mot interrogatif et la phrase est une question. Où sont passées mes lunettes? Que faut-il faire? Combien ça coûte? Comment est ton chien avec les gens? Pourquoi es-tu en colère? Alors, on utilise pourquoi pour poser une question, ok? Pour demander une raison. Quand arrive-t-il? Alors, les mots en rouge sont les mots interrogatifs, les mots que l'on utilise pour poser des questions. Alors, on va faire exercice 2 à la page 26. Ici, il faut souligner la phrase interrogative. Alors, dans une phrase interrogative, il faut avoir un mot interrogatif et il faut avoir un point d'interrogation. Si vous voyez un point d'interrogation à la fin des phrases, donc c'est une phrase interrogative. Alors, vous allez d'abord copier toutes les phrases dans vos cahiers, ensuite vous allez souligner les phrases interrogatives. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir la réponse ensemble. Alors, Kelly partage la tablette de chocolat avec ses amis. Est-ce que cette phrase est une phrase interrogative? Non. Alors, dans cette phrase, il n'y a ni mot interrogatif, ni point d'interrogation à la fin. Donc, ce n'est pas une phrase interrogative. B. Qui est le chef dans ce restaurant? Alors, ici, cette phrase est une phrase interrogative. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot interrogatif. En plus, il y a un point d'interrogation à la fin. C'est « Où iras-tu pendant tes vacances? » Alors, cette phrase est une phrase interrogative. Puisqu'on a un mot interrogatif et un point d'interrogation à la fin, Mathilde ne prend pas sa bouteille d'eau. Donc, cette phrase n'est pas une phrase interrogative parce qu'on n'a pas un mot interrogatif et un point d'interrogation à la fin. E. Est-ce qu'il dessine ses fruits? Alors, cette phrase est bel et bien
Une phrase interrogative parce qu'on a. Le mot interrogatif est-ce que et on a un point d'interrogation à la fin. Alors, allons maintenant faire exercice 3 à la page 26. Je choisis le bon mot interrogatif. Alors, ici, il faut choisir le bon mot interrogatif, ensuite remplacer. Est-on professeur? Que, quand, où? B. Et ton ami préféré? Que, qui, quand? C. As-tu pris les bonbons? Quand, que, qui? D. Habiter ta grand-mère? Où, qui, que? E. Allons-nous en vacances? Qui, quand et que? Alors, vous allez copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez y répondre. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, A. Où est ton professeur? B. Qui est ton ami préféré? C. Quand as-tu pris les bonbons? D. Où habitait ta grand-mère? E. Quand allons-nous en vacances? Alors, on utilise « où » pour poser des questions sur une place ou un lieu. On utilise « quand » pour poser des questions sur le temps. On utilise « qui » pour poser des questions sur une personne. Et alors, comme homework, vous allez faire page 26, exercice 4. Je pose des questions à l'aide des mots interrogatifs qui, que, quand et où. A. Fais-tu? B. Mets-tu ces légumes? C. Lisez-vous ces recettes? D. Tête dans la cuisine. Alors, il faut remplacer par qui, que, quand ou quoi. Qui, que, quand et où. Alors, vous allez aussi faire page 26, exercice 5. J'écris une question avec chaque mot interrogatif. Je n'oublie pas de mettre le bon signe de ponctuation à la fin de la phrase. Alors, vous avez des mots interrogatifs. Donc, il faut écrire une phrase avec chaque mot. OK? Il faut écrire une question avec chaque mot interrogatif. Donc, à la fin, il faut pas oublier de mettre le point d'interrogation. Alors, c'est tout pour le français aujourd'hui.
Donc, vous allez bien réviser les mots interrogatifs. Science now. So today also, we will continue with materials. Now, today we are going to investigate the properties of materials. Now, look at the picture. We can see two friends who are talking to each other. Now, why is the chair made of wood and not of paper? Why is the book made of paper and not of metal? Now, can you tell me why is a chair made of wood and not paper? Pourquoi une chaise est construite en bois et non en papier? Pourquoi un livre est en papier et non pas en bois? Pourquoi? Alors, why is wood used to make a chair? The chair is made of wood because wood is hard, okay? Why is paper used to make a book? The book is made of paper because it is soft and flexible. On construit une chaise avec du bois parce que le bois est dur. Un livre est fait à base de papier parce que le papier est doux et flexible. Donc, on peut manier les pages. On peut tourner les pages facilement. On peut plier les pages facilement. Alors, observe your chair. Name the materials it is made of. Will you be able to sit on a chair that is made of paper? Explain why. To make a chair, we must use hard materials such as wood, metal, or hard plastic. What will happen if you do not use the right material to make a chair? Alors, allons maintenant répondre aux questions ensemble. Name the materials used to make a chair. Okay, so the chair is made of wood and metals, okay? Now, will you be able to sit on a chair that is made of paper? Est-ce que vous allez pouvoir vous asseoir sur une chaise qui est faite de papier? No, we won't be able. Why? Pourquoi? Because the chair is not made of a hard material. Parce que la chaise n'est pas construite d'un matériau qui est dur. To make a chair, we must use hard materials such as wood, metal or hard plastic. Alors, pour construire une chaise, on doit utiliser des matériaux qui sont durs comme le bois, le métal et le plastique dur. What will happen if you do not use the right material to make a chair? Alors, selon vous, qu'est-ce qui va se passer si nous ne utilisons pas le bon matériau pour construire une chaise? We will fall down as the chair will not support our body. On va tomber parce que la chaise ne soutiendra pas notre corps, le poids de notre corps. Now observe your copybook. What is it made of? Observez vos cahiers. Selon vous, à base de quoi on a fait vos cahiers? À base de papier. Donc, what is it made of?
paper. Now turn the pages over. You can easily do it. Est-ce que vous pouvez tourner les pages facilement? Oui. You can also easily fold the sheets of paper to make things such as fans, flowers, paper balls. Maintenant, on peut manier le papier, veut dire on peut plier les papiers pour faire des ventilateurs, pour faire une fleur, pour faire des bateaux en papier. To make a copybook, we use a soft material such as paper. Alors, pour faire un cahier, on va utiliser un matériau qui est doux et flexible, comme le papier, qu'on peut manier, qu'on peut tourner, plier, comme on veut. We do not use a hard material such as metal to make a copybook. Alors, on n'utilise pas les matériaux durs comme le métal ou le bois pour faire un cahier. Pourquoi? Because we can fold the paper easily and we cannot bend metal easily. Alors, parce que on peut plier le papier facilement et aussi on ne peut pas plier facilement le métal. Donc, on va utiliser le papier pour faire le cahier. Alors, look around you in your classroom. Which objects are hard and cannot bend? Quels sont les objets qui sont durs et qu'on ne peut pas plier? Which objects are soft and can bend easily? Quels sont les objets qui sont doux et qu'on peut plier facilement? Alors, table, chair, whiteboard and cupboard are hard objects. La table, la chaise, le whiteboard et le cupboard. Est-ce qu'on peut plier une table? Est-ce qu'on peut plier une chaise? Le whiteboard, est-ce qu'on peut plier? Non. Which objects are soft and can bend easily? Quels sont les objets qu'on peut plier facilement? We have book, les livres, curtains, les rideaux, handkerchief. Un mouchoir, tablecloth, la nappe sur la table, est-ce qu'on peut plier? Oui. Alors, what can we conclude? Wood is hard and cannot bend. Paper is soft and can bend easily. Wood and paper have different properties. Alors, le bois est dur et ne peut pas être plié. Le papier est doux et peut se plier facilement. Le bois et le papier ont des propriétés différentes. Ça veut dire que le bois et le papier sont différents. Le bois est dur et on ne peut pas plier le bois, tandis que le papier est doux et peut-être plié. A property describes how a material is. Hardness and softness are examples of properties of materials. Now, what is a property? Une propriété décrit comment est un matériau. Pas juste pour les matériaux, mais aussi pour les choses. A property tells us how an object or a thing or a person is. Alors, hardness and softness are examples of properties of materials. La dureté et la douceur sont des exemples des propriétés des matériaux. So, what are the properties of materials that we have learned today? Hardness and softness are the properties of some materials. Alors, c'est tout pour la science aujourd'hui. Alors, prenez bien soin de vous et de votre famille.
Passez une très bonne journée.